Ebyen, jodi an la, Prospère Avril, ansyen prezident, se invite d'honneur nan liv an folie. Ebyen la, mez ami, bon danyen liv ke ansyen prezident Prospère Avril li ekri sou la mi d'Haïti. Sou tout rezo ak, nou an paket media, an paket radio, televizyon, se ou nou ou nou, se an pil pale an pil, Ska fèt poske gen moun ki di Avril Prosper yo pa ka prel kom invite doner, yo pa ka vin avrel sou moun pou telman egza fè Haiti mal, pou telman egza fè pays yon mal. E li evidant, li evidant gen moun ki te la avan Prosper Avril e, ki yo menm, yo pral lem ap pase baye la, la m pral pase antrovi, yo pral genyen pou di man pre, eske asye prezidant la baye manti ou bien la baye veyite, woske l rakote an pil bagay pou spere avril, li lage vat li net, el profite repon an paket moun ki akuse el, ki l, ki lonje lou et sou li, etc. Ou mem ki te lache ou epok pou spere avril, la m pral di men eske la baye manti, e ou mem ki pot kola, Se mouman pa ou pou apren, se mouman pa ou pou vin dekouvri yon ansanm de bagay ki pase yon de dan peyi. Ya. E ou a tou profite fèl jujman pa ou tou. Pwosè ke li ekstremèman impotant pou nou rete atache avèk histouan nou, pou nou rete atache avèk yon ansanm de bagay ki pase yon de dan peyi nou, pou nou pa blie histouan nou, pou nou pa reproduy mèm eror yo. Ebyen, sa pli tardè, nan prantre nan dosye Prosper Avril, ansyen prezident Prosper Avril, ki pase an nan sen mwa 21 joun nan te peyi da iti nan ka dan yon gouvernman nan ka den yon rejim de transisyon yon rejim tou e militer, yon pouvo militer ke li menm li te nan tetri ki sa prospere avril gen pou li di ki sa prospere avril pral revele la e bien rete la, rete konekte ou pral jwen tout detay yo an nou gade yon se pral prospere avril ki atavek vou ajon di e ki vou prezante l'armé da iti Gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. On en parle, c'est le texte de l'émission, je dirais le texte prétexte d'aujourd'hui pour faire le point avec l'ancien président du général Prosper Avril. L'armée d'Haïti, dans votre présentation, l'auteur le dit. Vous êtes le personnage le mieux placé pour parler de l'armée d'Haïti. Oui, je oui, pense que je suis bien, très bien placé parce que je fais 32 ans de carrière. Et puis j'ai une chance de passer dans tout le pays. Le premier poste, moi, c'était au Cap Haïtien. J'ai une expérience de la police. Je fais la police, tout. j'ai été cafétéria et quatrième compagnie de Sainte-Police. Moi, j'ai fait l'expérience grand quartier général. J'étais officier au premier bureau du grand quartier général. Moi, j'ai fait expérience au palais national. J'étais officier de la garde présidentielle. Moi, j'ai fait l'expérience au caserne de Salines, tant comme commandant de la 18e compagnie. Moi, j'étais en période, j'étais provisoirement attaché à l'Académie militaire d'Haïti pendant sa fermeture pour former quelques officiers qui étaient et diplômés à l'extérieur. Donc je crois que mon un panorama assez large pour me parler avec autorité d'institution ça. Mm. Donc moi écrit mon premier livre l'armée d'Haïti bourreau victime après son démantèlement après le démantèlement de l'armée. À ce moment-là en 1997 moi viens que tous pour conseil moi était bah, pas appliquer une là nous venons aboutir jusqu'à ce que nous tombions dans le démantèlement total de l'armée. Moi, je dis, il faut m'écrire pour moi, bah, et après le démantèlement, le président Jovenel Moïse vient rétablir l'armée. Il faut pour montrer que les décisions que le président Jovenel Moïse prend sont bonnes décisions. Moi, je publie un article sur ça d'abord, mais après qu'on livre m'expliquer. m'expliquait. kouman la me ateye jante baye, jante e, e alouneur? La gloan. Periode glorielle la, guerre de l'indépendance, indépendance, etc. Kouman li fè vin fè erman, li ere sou misyon sa pou lte fè a, gen pi l bagay akote k fèp, mou repote tout sa l fè akote yo ki pa bon, Mwen bay ki l lame vin oblije antre na kazen, menm si se pa e, e aksyon brital ki fèl fè sa, men lame te antre na kazen, li te di bon kou li a mbanabay sa anko. Mbay peryode la. Mbay peryode kote sa fin pase yantre l na kazen, kou li a yon modernize l, Mba e peryode li modernize, les ekipman ki yon tete aki, e pou modernize lanme, le voyaj des ofisye al etranje. Imagine yo, kou le an nou gen yon ita e de desas de kap pase nan perya, men sila mette la. Helikopter tap getan la pou al, lage dlo, e ba moun yo pou ou boyo, pou ou bayo manje nan, 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 nan seksyon ou al yo kote gen desas yo, kote la plifet de gayo. Mais on parle d'un hélicoptère encore. Maintenant, Général Prospera... Et vous chargé, bah, comme ça. Mm -hmm. Nous parlez de période ça. Nous ne parlons pas des... Ensuite, mm -hmm. nous en parlons des deux périodes. Côté l'armée, vous venez retomber dans la tête chargée. Mm -hmm. Après, des parlez de coups bah, d'État, coup d'État, coup d'État. parle des de tout coup d'État. Maintenant, c'est un coup de Le zéro, les Généraux. rétablissement. Nous nous sommes réunis avec vous, peut-être, pour grandir le jeune, tant qu'on est auteur de la les moins de 20 ans. Et... Qui ça est capable d'expliquer pour faire un jeune comprendre déclin l'armée, soulever toute accusation, toute reproche que vous fait à l'armée? Qui laisse à commencer et qui est-ce est est, est, qui peut c est, c est, c est, être à la base de tout ça, ça? exactement ce qui est développé dans ce livre. C'est ça qui est dans le livre-là. C'est ce qui est développé dans ce livre qui montrait que. Ça a commencé à partir de quelle date? À partir de quel acte act aussi? À partir de 1937. Moi, bah, écoutez, ça sortit. Depuis la fondation de l'armée, il faut qu'on ait que, je parle de ça tout, l'armée que nous c'est même l'armée qui fait la pacification de la République. Vous est la pacification? Quand les Blancs ont débarqué en Haïti, il y a une résistance haïtienne. Mais c'est cette armée qui a combattu cette résistance. L'armée, la gendarmerie d'Haïti, qui étaient formés par des Haïtiens comme troupes et des officiers américains comme commandants. Les officiers américains étaient désignés par le président des États-Unis, mais commissionnés par le président d'Haïti à un grade supérieur. Ces officiers-là avaient comme exécutants des soldats haïtiens. Ce sont ces soldats haïtiens qui ont poursuivi les révolutionnaire haïtien pendant l'occupation américaine. Donc ce qui veut dire que dès le départ, il y a eu une sorte d'antagonisme entre l'armée et le peuple. Maintenant, on intellectuel, il faut considérer tout le bagage à saillot. L'OAP est accusé en institution. Et sous intellectuel, il faut travailler pour prendre des mesures pour effacer Tarsayo qui est en institution. Or, pour Américains, tu fais ça. C'est la Constitution de 1918. La Constitution, elle dans la Constitution que le rôle de l'armée, c'est de veiller à la, à la, à, au respect des droits du peuple. Ça, ça veut dire. Dans tous les pays, aux États-Unis même, c'est le Parlement qui veille au respect des droits du peuple. Ce n'est pas l'armée. Mais américaine n'a rien à voir avec la, les droits du peuple. Américains. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, c'est ce qui est inscrit dans votre constitution et l'Aïtien n'a pas vu, c'est répété dans plusieurs de nos constitutions jusqu'en 1957. Même la constitution de 1950 indiquait que l'armée avait pour rôle de veiller au respect des droits du peuple. C'est en 1957 que ça a changé. Et au du 57, où, où est-ce qui a changé? François Duvalier, qui vient faire mater l'armée. Qui qui fait l'armée, pas jamais coup d'état fait de 57 à 86. Quel en était le secret? Hein? Quel en était le secret? Le secret c'était de maintenir dans l'armée d'Eston premièrement. Ils ont enlevé, il a enlevé... Et, et, et depuis sous la fonction de commandant des forces armées. Le commandant des forces armées, c'est le président de la République. C'est le premier, le premier pas, parce que le, le, le militaire prête serment pour obéir aux ordres de ses supérieurs, supérieurs hiérarchiques. Mmh. Or, il se place comme le commandant suprême des forces armées, donc vous lui devez obéir, ça, c'est constitutionnel. Ce n'est pas servez-vous c'est vil. C'est constitutionnel, vous avez prêté serment pour obéir aux ordres. Oui. Maintenant, il y a un bémol quand même. Les ordres doivent être conformes à la loi et au règlement des forces armées. Est-ce que vous voyez? Donc, mais quand même, l'officier avait une certaine ligne à respecter qui fait que tout ça qui paraît, quand l'officier mourit dans ça, il paraît paraît camper contre le gouvernement, de comme ça. Mais grand qui paient du la vie comme ça. Sous période, ça mm. Mais, je dis mot sous-période, parce que quand Jean-Claude Duvalier est arrivé, tout le bagage ça a été le film corrigé. La dernière et le dernier soulèvement, c'était le soulèvement Caillard de 1970. Et le gars de tiré sous par de de etc. Et depuis la... Tout le monde était vrai que l'armée a entraîné dans parce que Kaya a trouvé aucun appui des forces de terre pendant que la bombe a dépala. Donc c'est sorti aussi dans le livre. Maintenant, le problème est venu, est revenu sur le tapis à partir de la Constitution de 1987 qui a redonné à l'armée le rôle de commander, de commandant suprême de l'armée. Ça vient de faire, les dérives vont recommencer. À partir de la Constitution à partir, à partir de 1927. À partir de ça, d'autant plus que, non seulement il y a l'armée, tout droit pour commander l'armée à lui-même, mais dans la Constitution, il le président Pagé doit passer l'armée à l'ordre lui-même. Alors, en personne. En personne. Il n'est que le chef nominal des forces armées. Chef suprême. Mmh. Prends prend un dictionnaire à rousse, ça c'est le mot chef nominal, ce que vous veut dire. Chef nominal veut dire que vous avez le nom, vous n'avez aucune autorité sur la fonction. La fonction ne vous donne aucune autorité. Hein? Donc ça vient de faire, on dérive, dégringolade. Est-ce que vous voulez nous dire, général Prosper Avril, que la Constitution de 1987, on pourrait dire amendée, les mêmes les qui créaient, ça nous si vous permettez-moi, général, oui. il crée un chemin pour que l'armée ait une sorte oui. de pouvoir illimité, mais concrètement à chaque fois des coups d'État, concrètement à chaque fois des. C'est bien ça, c'est bien ça. Or, on aurait pu atténuer ces prescriptions de la Constitution par des lois, c'est-à-dire le président n'a pas le droit de commander en personne. Mais la Constitution a omis de dire comment le président peut commander. La Constitution ne l'a pas dit. N'a pas dit, donc il fallait une loi pour dire que le lien légal c'est X ou Y pour passer les zones. C'est-à-dire la Constitution a fait du chef d'état-major de l'armée, je, je dirais, voilà, le premier vraiment, le premier vrai chef, vrai commandeur. Ça parce il a changé le mot ou dit est ou du chef d'état-major. Le chef d'état-major ne dirige pas, c'est le commandant qui dirige. Quand, quand le, avant, avant, comment dirais-je, sous Duvalier, par exemple, il n'y avait pas de commandant il y avait le chef d'état-major au grand quartier général. Mm -hmm. Mais avec la constitution de 1987, il y a eu le commandant des forces armées et il y a le chef d'état-major en, en dessous de lui. Mm -hmm. Que vous voyez et le général en chef. Il est le commandant en chef, c'est lui qui a remplacé le rôle du président de la République autrefois. Le président de la République, par autrefois, qui vit de guerre, et, et le président de la République est le chef suprême et effectif des forces d armées d'Haïti. C'est sa mm. constitution 60, et 50, 57, 64, 72, 83. C'est ça, il dit. Mmh. Et à partir de 1997, eu... le président n'a pas le droit de commander l'armée en personne. Et on a eu le général en chef. Il n'est que armées. le chef nominal, et ils ont créé la fonction de commandant effectif de l'armée, qui est l'officier le plus gradé des forces armées. C'est le général en chef. Oui, il est le général, il est pas le général en chef, le commandant en chef. Ok. Le commandant en chef des forces armées. Si vous lisez les, les, les nouvelles, vous, vous voyez que actuellement Joe Biden est le commandant-chef des forces américaines. En République dominicaine, Abinader est le commandant-chef des forces dominicaines. Il n'est pas un commandant nominal. Est ce vrai? Maintenant, avec le, la, le passage au pouvoir, le gouvernement Matéli, on a pris une loi qui donne au ministre de la Défense la fonction de passer des ordres à l'armée. Au nom du président, le président dit au ministre de la Défense ce qu'il veut, et le ministre de la Défense passe des ordres qui sont, les, qui sont légaux. C'est maintenant seulement que l'ien établi. Mais avant cette loi, le commandant chef de force armée était le tout-puissant de l'armée. Mmh. Ou tu as fond de différence avec nous dans la les... police, général Prosper Avril. Donc, dans la dimension des et haut, côté nous non arrivés au fin fond de bas fond. Hein. Côté hey? que nous sommes arrivés bas fond, vraiment. Oui. Nous sommes touchés le, le, vraiment le fond. C'est ça, et on a touché le fond. Et, et vous avez dit -nous que le problème qui était c'est le renvoi des anciens membres du haut état-major de l'armée hey. et qui était ah. venu accès uh -huh. à a une nouvelle génération, je reprends vos mots, votre mot, sans maturité. Et c'était vraiment le début de la fin. Je ne sais pas c'est ça le début de la fin. Non, qui ça dit là? Le début de la fin, je ne bon. Et à partir de là, il y a les cascades de coups d'État. Hein? Cascades de coups d'État. Qui vient aboutir à un mauvais, mauvais management de l'après-coup d'État de 1991. Après-coup d'État de 1991, la communauté internationale a pris à main, mais le management n'a pas fait bien. C'est-à-dire que si on a tué à quoi qu'on fait et puis il a bloqué, si on a devant les Nations Unies, de y ça, C'est peut-être l'expérience qui paraît juste côté de ça qui arrivait, Ça qui vient de nous, le Maintenant, le vrai débordement a commencé quand on a démobilisé l'armée. On aurait pu conserver une partie de l'armée est séparée sur, sur, sans penser qu'il n'y a pas de la dans retirer Maintenant, avec le coup d'État, on a reproché à l'armée de trop s'immiscer dans la politique. C'était une armée C'est ça, C'est ça, c'est pas avec le coup d'État que l'armée s'est immiscée dans la, de la politique. L'armée s'est immiscée dans la politique depuis 1946. Avec l'appui du peuple à... au pas de compte ça c'est inscrit dans le livre la première incursion de l'homme et de la politique a été faite sous demande de la classe politique haïtienne quand l'esco voulait remettre sa démission lire les messieurs politiciens ont dit oh, ben, il n'y a, a pas de besoin de ben, faire comme ça de l'esco ben, on a encore livre le parti c'est là mais ils remettent le pouvoir vous pouvez le voir ça dans le livre là c'est l'Amérique remet le pouvoir. Et l'armée lui-même, l'Américain dit qu'il ne peut pas reconnaître le gouvernement, l'armée, parce ça... oh, que c'est Américain qui fait la il ne pas te faire la mère pour le pouvoir. Mm -hmm. Eh bien, la classe politique là, réunie, elle fait une manifestation qui était les manifestations kilométriques qui commençaient depuis Portail, qui arrivait devant le quartier général pour demander aux militaires. Pour l'Américain, la que ce peuple a demandé pour pour l'amériter. Mmh. C'est là à l'émission la politique. Bizarrement, la bon, petite histoire fait croire que mm, lors d'un coup d'État, c'est exactement ce dont vous avez bénéficié aussi. Non, ou même au <laughs> jeune. C'est un coup d'État seulement, ouais. Non, mais c'est je histoire. Ma je histoire. comprends depuis qu'il est mmh. entré la politique. Mmh. Le fait d'entrer dans la politique, il y a colonel Magloire qui est colonel. Qui est candidat à la présidence colonel, comme à de Dede Kazan salines alors que la Constitution n'a pas vu ça, la classe politique l'a accepté. Général Prosper voici pourquoi, pourquoi j'ai pris l'exemple. Je vous ai pris un exemple aussi. Uh -huh. On veut voir les différentes étapes de l'armée, les différentes actions aussi. Ce sont les errements, Mabbaoula. Oui, absolument. Il fait un tout dans le coup Oui, on dit, au bout de l'histoire, il y a euh, des hommes qui écrivent là-dessus, que vous-même. Vous en êtes l'un de ces bénéficiaires là, c'est-à-dire il y a eu un coup d'état et Pas du le... bénéficiaire, c'est-à-dire que vous étiez Vous étiez au bon moment au bon endroit et c'est vous qui avez voilà. été désigné qu'on a désigné et pour être président de la République. là on est en train de faire l'histoire. Oui, c'est ça. Pour l'histoire et pour la vérité, ça, je vous ça. prends un exemple, général Postel. Oui, on peut me prendre comme exemple. Mais j'ai expliqué tout ça lui dans le livre C'est pas un bagage que m'a caché. Non, je ne l'ai pas dit non plus, général. Non. Le Les jeunes exemple, qui suivent, peut-être... Par exemple, mm. quand ça a été arrivé, il a cherché un sergent pour mettre au pouvoir. Il y a qui a pris la fuite. Sergent Patla. tap passé. Et puis le groupe, Sergent, regardez, 14 ans, il dit, pour qui ça ne paye Il pas de bâillage. Il y a un groupe qui a choisi le colonel Jean-Claude Paul. Mm. Et puis le messager, il dit non après bagarre président Manega Kazen talent entouré parler et, et bagarre etc. cetera je pas na fait de officier casen nous g un officier pas nous là qui g plus grade c'est lui pour béni mm -hmm. puis il vient demander pour me reté et tout ça fait de vous l'homme pour appelé reté bad boy c'est officiellement de pour je sais je n'ai pas là. Et vous êtes resté oui. jusqu'à votre démission. Oui. On va revenir encore, et on va venir sur vous, on va venir encore sur vous, revenir avec cette histoire, Général Prosper-Avril. Je voulais tourner sur petit point important, hein? oui. et pour que je ne capable de comprendre quelque part le vrai déclin. Bien, euh, le dernier cri de l'armée, où tu dis que c'est cette action posée, le renvoi. Des anciens membres ou bien des militaires non, mais aguerris. C'est le départ. C'est cette, cette action qui a causé ça. Non, ce n'est pas l'unique action. Oui, mmh. il n'est pas obligé ça. Mmh. Il ouais. n'est pas obligé ça. On dit qu'il y a des militaires de peu d'expérience qui sont venus, qui ont pris la tête de l'armée. Et à cause de ce manque de maturité, ça a causé ce que ça a oui, causé. Oui, maturité a que... compté. Parce que l'expérience, c'est beaucoup. L'expérience, ce n'est pas un bagage ou acheter. L'expérience, est acquis. C'est-à-dire que ou pas qu'à pour dire ou pas à acheter l'expérience. L'expérience, ah, est nombre d'années pour vivre le plus de faits possible pour traiter le plus de questions possibles qui viennent de expérience Mais si vous n'avez pas eu le temps de traiter tout ça, par exemple, au monde qui n'a jamais commandé des troupes, ah. que des pas comprendre, il pas de commandement de troupes. Ah. Donc, il faut commander des troupes pour commander des troupes. Pour le compte de l'entrée, il y ne un qui pas pas fait partie d'un état-major, pas fini de connaître un état-major. Il y a un peu de dans l'état-major, à quelques âges d'expérience. Parce que ça, ça vous prend beaucoup plus de temps pour vous adapter mm -hmm. aux questions. Parce que l'entrée dans état major pas en bas, ou à monter, vous avez sur le tas l'expérience des autres qui étaient là. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de bon pour couper tête en institution? Mmh. Parlons des perspectives, Général Prosper Avril. Aujourd'hui, vous regardez l'embryon de l'armée qui est là. Qu'est-ce bah. que vous dites Aujourd'hui, vous regardez cette, cette armée embryonnaire qui est là, mmh. avec très peu de moyens. Très peu de ressources. Ouais. Alors ce que c'est a plus que jamais, selon ce que vous écrivez d'ailleurs, que le pays a encore plus besoin de l'armée. Ouais. Quand vous regardez cette armée embryonnaire qui est là, qui bon, se plaint bon, d'ailleurs de n'avoir pas de moyens, qui dit tout. Moi, question, hein, moi hmm. question de long en large. Tout d'abord, il faut penser que nous n'avons pas eu une armée conventionnelle. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, que une armée n'avait pas. Ne peut pas avoir les missions qu'on avait confiées à notre armée. C'est-à-dire encore? C'est-à-dire que notre armée était distribuée à travers les départements, districts, sous-districts, avant-postes, sections rurales. Une armée ne peut pas avoir une structure pareille. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui, dans tous les pays du monde. Mm. C'est seulement en Haïti que l'armée a mis ça. Non, l'armée, c'est dans la base militaire. On n'a pas pris un prisonnier pour mener un tribunal, c'est ça que nous tape fait. On n'a pas de prison, c'est ça que nous tape fait. C'est justement moi même qui crée l'administration le, 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 pénitentiaire nationale, la PENA. C'est-à-dire, Général Prosper Avril, nous avons bien orchestré la dérive de l'armée en ce sens-là. C'est ça, oui. Le hein? PIA lui-même t'es bien orchestré la dérive de l'armée. C'est ça même, parce que l'armée n'a pas fait les lois qui étaient qui, 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 qui gouvernées. Ce n'est pas l'armée qui avait fait les lois. Mm -hmm. le, par, exemple, par exemple, le a créé les chefs de section, son loi qui sortit, l'armée par contre n'est pas créée de section C'est mm -hmm. son loi qui sortit qui dit n'a a créé un service de section rurale de l'archive d'armée d'Haïti. Maintenant, qui est-ce que tu as de gain pour l'armée ça sa... Qui est-ce que tu as de gain Qui est-ce que tu as de gain pour l'armée Qui est-ce que tu as de fait C'est pour créer une armée conventionnelle, c'est-à-dire une armée qui a été établie de, des bases militaires qui n'ont pas gagné Mission de police qui ne peut pas arrêter monde ni veiller à faire droit du peuple. On l'a mis cap là sous direction du président de la République, du chef de l'État, qui coup, il y a, il y a établi le canal. établi, peut-être si on fait notre constitution, il y a établi le mieux. Il y a retiré fonction fonctionne commandant chef là, parce que aux États-Unis, le commandant chef de l'armée, c'est la, le président. Il y a des commandants pour chacune des unités. On a besoin de de marine, commandant d'air force, commandant de ceci, commandant de cela. Mais la direction de l'armée, c'est le président qui l'a. Mm -hmm. qu Il y a un état-major pour diriger, pour administrer l'armée. C'est comme ça, nous, c'est un chef d'état-major qui avait depuis Sulesco. Donc, gros débat, je dis, hein, général un donc c'est ça pour notre affaire. Mm -hmm. Et puis, pour l'armée, qui est bien équipée, mm -hmm. et qui l'a pour occuper sa constitution, dit-il-là. Mm -hmm. L'état de développement, ok. Mm -hmm. L'intégrité du territoire, ok. Protection de la population, ok. Mais le pas là, pour l'après-midi, un tel te fait, tel bagarre pour garder la carrière, militaire militaires débarquer la carrière, car, venir à retour. Général Prosper Avril. Ouais, général Prosper Avril. Oui. Bon, gros débat, aujourd'hui dis, hein, sur question sécurité. La police n'est pas capable, c'est l'armée qu'on nous utiliser, utilisée. Il faut que nous l'armée. L'armée aidée par la police. Faut la police pas dit aidée la par l'armée. Si, si vous pas me dit permettez. C'est pas, pas moi qui reprends. je reprends ouais, le ouais, discours. Ouais, non, <laughs> ça, Allez, on si vous campéli. écoute rapidement, général. La Ce n'est pas la police qui n'est pas capable. La police, son institution qui ont un entraînement donné. Lè ap entrenè policè a, yo pa jom dil, koul te pral genye de zans avèk de zanm de gro kalib kap tirè sou li. Polisè a pa pare pou bagay sa. Se wol la mè. Mètnen, konstisyon deja prevoi, la polis la genye travè pal, proteje e servir la populasyon. Mè kante la populasyon dera en amèn, ebe ekzekutifè ap vwe la mè edel. L'exécuter, la fin de veille, c'est pas l'armée qui a fait le travail là. Non, c'est la police ça, qui a fait le travail là, mais avec le support de l'armée. Maintenant, problème de la l'armée entraîne à Kazan. Support l'armée. Parce que la police, c'est ça, c'est rôle de la police? Excusez-moi, général, support l'armée a-t-il constitué constituer un qui ça comme acte, comme action Qui ça a support l'armée Mais ça a t Par exemple, on ne de zone que même président, même premier ministre. Et délégation présidentielle, pas Kabala. Personne pas Kabala. La. la police, pas Les L'entrée, ou bien tuer, ou bien comprendre. Les Saoudis là l'ont fait. Mm -hmm. Parce que l'armée a un entraînement pour faire les combats de ville. Il a un entraînement pour faire l'enveloppement vertical. Il a un équipement pour entrer dans la zone saoudienne. À pied. Si la fait blinder. Blender a gagné pour une tactique pour le marché. Blender, ce n'est pas un bagarre où on prend ou plonge entre les côtés de la donne. Blender a gagné, c'est attaque tank qu'infanterie. C'est l'armée qui fait ça, attaque tank qu'infanterie. C'est son faux débat, <métic heures> question, la police n'est pas capable, c'est l'armée. La, ou... cap la police n'est pas capable, elle n'est pas capable. Elle n'est pas prête pour y avoir Bali, ça y a Bali, elle a vu un petit monsieur mourir mal. Donc, ce devrait être l'armée. Hein? Ce devrait être l'armée. Je ne dis pas que c'est l'armée pour le job de la police, là, non? Non, ce devrait être l'armée la, qui devrait intervenir. l'armée. pour aider la police. Mm -hmm. Par exemple, ça a demandé la coulée. Et... Qui sont les gens ont demandé? Ou les gens y a un problème, ça ont demandé l'international, ils ont demandé une force de police pour aider nous. Ou les gens ça? Ça, c'est ce que je t'ai demandé, Ils ont demandé une force militaire pour aider. Quel est votre avis sur cette demande? Mais non, je veux dire, les des des Nations Unies, coup de main. Les États-Unis écoutent, mais ils ne veulent jamais demander de une force de police pour aider les policiers. Ils dis faire une force militaire pour résoudre le problème. Ça veut dire, général Ça veut dire que le problème est un problème militaire. Je ne sais mm. pas dit Mais comme vous ne pouvez pas un militaire, vous demandez de faire militaire. Parce que vous avez un militaire pas où, qui fait un casernier, qui ne peut pas faire un monde a du tout les le, le, le chefs d'État a besoin, les gouvernements a besoin. Je dis, chef d'État-major de l'armée, voyez, m'a besoin d'un coup de main, prends contact avec la police pour comment mon Pour qu'on ils si son peloton, si son compagnie, si c'est qui ça, si son bataillon. Dernière question pour finir, en général oui. Prosper Avril. Mais son question, il une petite question dans Oui, euh, nous finir, <laughs> Parce que que va, ne pas finir. Une émission ne suffit pas, c'est sûr. Euh, proposition de rencontre ou bien rencontre programmée à la Jamaïque sur la crise de... rencontre programmée à la Jamaïque sur la crise sécuritaire politique que le pays a rencontré à nous en pleine crise catastrophe naturelle est le faux tremblement de terre en péril, donc inondation dans certaines zones crise sécuritaire réelle dans le pays alors bien rencontré un ancien président qui a rencontré un président en exercice D'ordinaire, lorsque les chefs se rencontrent, et ils ont posé autre question. Dans la condition, dans situations situation, vous-même, comme président de la République, que feriez-vous Comme chef d'État, que feriez-vous aujourd'hui Comme chef d'État, moi-même, je pense pensais qu'un problème haïtien, pas le faire dans réunion réunions dans le pays étranger. Comme chef d'État, je ne pense pas ça. Je ne suis pas faire une réunion à la CAE. Je ne faire une réunion à la carrément. Maintenant, mon moi, moi, expérience que j'ai trouvée qui était bon, j'ai eu à organiser le premier forum national de la République en 1988-89. Quand Monsieur M. Pavelé m'a formé, conseil électoral, j'ai été formé, parce que moi, au pouvoir le 17 septembre. Le 8 octobre, le conseil électoral là oui C'est accepté ou pas accepté, pour me faire l'élection tout de suite. Je n'ai pas accepté le conseil électoral là. Je faire le mêlé. Je viens faire un forum pour me dire, « Monsieur, bon, faire le conseil électoral là pour être capable de faire l'élection, non mm ?» moi -hmm. fait un forum des partis politiques. J'ai le somme législatives-là comme côté pour le travail. Ils travaillent, ils montent le conseil électoral, là, ils voient les bon moyen, mais qui s'arrête de le faire Je prends ça, je vois le bon moyen, je ne parle pas de ce que tu à Je vois un moniteur, je fais un moniteur publié. C'est comme ça que tu premier conseil électoral, non Que monsieur te juge, tu être tout faire tout permanent avec neuf membres qui sont en l'air pour, pour changer de, dès que le président finit de monter. Donc une réunion sur Haïti à l'étranger, selon vous, était concevable je ne vais pas recruter ça pour le bain. Parce que là, fait une réunion. Ça, on va le faire avec elle. Dites-moi, on fait raisonnement. On un fait une réunion. La réunion aboutit à une entente. Un ça, on va le faire en entente là. Il est a venu pour imposer le gouvernement en entente là Ou bien quoi Je ne Si vous étiez à la place du bon, docteur Ariel Henry, si qu'est-ce que fait vous faites Je ne comprends pas. Qu'est-ce que feriez-vous si vous étiez à la place du docteur Ariel Henry comme ben, premier ministre de la Fête ou de Droit Les doit s'entendre entre eux. Moi, regardez moi et Dr pape paraît en bagarre là. Didou que tout problème nous gagne là, c'est Haïtien qui pas Pourquoi vous ne vous entendez pas pour faire marcher le pays Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous feriez, général Pospère, Avril C'est base sécurité, arrive. Sur le plan de sécurité, pour joindre solution sécuritaire, c'est tout Aïs5 pour mettre ensemble. Pour joindre solution, pour résoudre problème sécuritaire. C'est-à-dire que si tout haïtien mettre ensemble... Depuis cinq ans, l'armée est montée, l'armée est rétablie. L'armée est au moins un bataille pour résoudre le problème de sécurité. Côté la police, pas d'entrée pour l'entrée pour la police. Et puis après, il dit la police, « Ok, me fini on met à le bouler. » C'est parce que, par exemple, tout le monde était... Comme tu l'as dit la dernière il y a brassé le couteau en un Il y a y a payé. Ou bagay le pase, bagay, entel te fese si, entel te fese la, ou rezout problem nou an kesyon endividuel. Alor ke set un afer deta, il fo, se pon afer de avril nan li van foli, li padwal nan li van foli kon refite do. Ne peyi a gen tou bagay pou se sa pou entelektuel nou ap okipe. Ou man, reyouni ansam, pou nou gade we, ouais, ki solusyon ap bay avèk gouvernman, pou nou soti la... Bon. Inondation, intempéries, euh, contrôle hein? militaire sur PIA. C'est mon message, hein? oui, voilà, c'est ce que, ce que j'avais vous C'est mon dire. message. Mon Mais... message, c'est de demander à la classe politique, mm -hmm. au gouvernement, à la jeunesse, aux intellectuels, aux universitaires, de passer le message de l'unité mm -hmm. pour ne capable de soutenir dans sa nuit. Vous avez un petit mot pour la sinistrée dans cette occasion d'intempéries et Le mot. Catastrophes. Un petit mot. Pour les personnes, les zones frappées par le tremblement de terre, les inondations, les inondations. Les inondations pour le tremblement de terre. Est-ce que vous avez un petit mot uh -huh. pour ces personnes, ces zones qui sont frappées oui, par oui, ces catastrophes naturelles? Je plains naturelles. le sort, je plains le sort. Je regarde, je regardais, euh, à la télévision. ma ouais, Bah très grave. Et c'est à ce moment-là, me penser que nous n'avons même un moyen pour pour nous aller et porter au secours, parce que nous ne passons E preparer pou sa. Se ta di nou gon institisyon de desas e de, de sekou kap goumen, men, men eske l gen tout mwayen pou l fè sa pou l fè a. Mm. E ke moun sa kap pour, ben, ça, yo kap soufri a. Se pou, se besan mwoye bayo, se pou pankouraj, men, e pou kwa ke kamem nou, nou avek yo. Nous, avec eux pour laisser améliorer ça. Merci okay. beaucoup, Général Prosper Avril. Vous serez en signature comme invité d'honneur d'ailleurs, ou l'invité d'honneur à la 29e édition de Livre en folie. L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. Militaire du carrière, comme vous êtes, ancien commandant en chef. Ex-président de la République, lieutenant général, retraité, travailleur, intellectuel, passionné d'histoire et de recherche, Général Prosper Avril est indubitablement un personnage, comme vous l'avez dit, ou comme nous l'avons dit, très bien placé pour parler de l'armée, véhiculant une information prodigieuse et des idées justes et claires sur l'armée haïtienne, sa jeunesse, son parcours, ses exploits, ses dérives, ses structures organisationnelles à travers le temps. Cet ouvrage a le mérite de projeter un éclairage nouveau sur les faits, les événements qui ont jalonné l'existence de cette vieille institution nationale. Le général Prosper Avril invite le lecteur à mettre à profit son esprit critique pour cerner avec objectivité différents aspects de cette vérité incontournable, l'importance de la présence permanente d'une armée conventionnelle en Haïti.